Hello! On se retrouve dans le même environnement que hier, parce que vous le savez, j'ai filmé le même jour, puisqu'on est le 9 et qu'il faut que j'ouvre le 9. Donc on va y aller sans plus tarder. On va ouvrir le numéro 9. Et on va commencer par celui-là, puisque je sais où il est, puisque je l'ai vu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit pochon rouge avec le numéro 9. Et on dirait un jaspe rouge. Ou une jaspe rouge, je sais pas comment on dit. Alors on va l'ouvrir. J'aime beaucoup ce petit pochon rouge et doré. J'arrive pas à l'ouvrir. Elle a fait trop de nœuds. Ah non, ça m'a fait un gros caca. Je sais pas si vous voyez, ça m'a fait un gros caca. Comment on fait? Ah ça y est, j'ai réussi. Alors, donc dedans nous avons le petit chiffre 9. La petite pierre. Et nous avons un petit explicatif qui nous dit « Jaspe rouge, pierre de justice. Avec elle, vos problèmes s'allègeront. Ne balayez plus rien sous le tapis et ramenez certaines choses à votre conscience, car toutes vos, intentions de changement. Ne balayez... Je vais y arriver. Ne balayez plus rien sous le tapis et ramenez certaines choses à votre conscience, car toutes vos intentions de changement seront soutenues par cette jaspe rouge. Portez-la sur vous en période difficile, particulièrement près du chakra racine. » Eh bien écoutez, moi ça me va. Moi j'aime les pierres, vous le savez, si vous me connaissez depuis un moment. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur toutes mes pierres vous intéresserait, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, Mamixou? Fais du bordel. Ici, il est là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une boîte dans une boîte. J'essaie de ne pas regarder ce qu'il y a marqué sur la boîte pour pouvoir vraiment voir avec le contenu. Alors, c'est une petite pipette. Sérum poche et cerne. À la caféine 5% et niacinamide 5%. 87% d'origine naturelle qu'on peut appliquer le matin et le soir. Et sur la petite boîte, il y a marqué la même chose. Si, il y a marqué concentré en actif décongestionnant permet de réduire l'apparence des cernes bleutées et des poches. Bah écoutez, pas mal du tout. Moi qui ai quand même des cernes assez, assez marquées, j'ai hâte de tester ça. J'ai hâte de me faire toute ma routine typologie. J'espère qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire une routine. Je vous recule un peu. Comment je peux faire? Parce que du coup, je sais pas où j'ai foutu mon trépied. Parce que je suis un peu une catastrophe. Est-ce que si je vous mets là... Ouais, je vais faire comme ça. Je vais chercher mon colis. J'ai failli vous faire tomber, mais d'une force. Parce que là, je suis trop basse. Mais là, je suis trop haute. Comment je peux faire si je fais comme ça? Peut-être. Ah ah! Mieux! J'enlève mes oreilles ou je les garde? Oh, je les garde, on s'en fout, non? On s'en fout, non? Nous allons ouvrir mon petit coffret. Et il y en a qui reconnaîtront peut-être ce sigle. Et j'ai craqué pour le Black Friday. J'ai craqué mon slip pour plein de trucs pour le Black Friday. Mais particulièrement chez Nébuleuse Bijoux. Donc j'avais envie de prendre à la base des bijoux uniquement dorés. Mais en fait, bah, il n'y avait pas ce que je voulais en doré. Donc du coup, bah, j'en ai pris aussi des argentés. Et je me suis dit que ça changerait un petit peu. Donc j'ai pris des dorés et des argentés. Voilà. Et quand je vous dis que j'ai craqué mon slipe, c'est que j'ai craqué mon slipe. Alors, c'est présenté dans une petite boîte. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y en a aussi à côté. Là-dedans. Vous les verrez pas bien. Je vais vous les mettre à l'image, ceux que j'ai pris. Je vais vous les mettre à l'image, ce sera plus simple. Donc j'ai pris deux petites chaînes. Parce que je veux remplacer mon... Celui-là, là, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Celui-là, par une chaîne, parce qu'en fait, le bijou, le fait qu'il soit dur, ça me fait extrêmement mal à l'oreille. Dites-moi si ceux qui ont ce piercing-là, ça vous fait la même chose. Donc je me suis dit que peut-être qu'en mettant une chaîne avec un bijou classique droit, ça me fera moins mal. Donc j'ai acheté deux petites chaînes, et comme je savais pas me décider, bah, j'en ai pris une dorée et une argentée. Et ensuite, j'ai pris trois bijoux argentés, dont un pour remplacer celui-là, que j'ai du mal à m'y faire à celui-là.
Et en fait, c'était celui-là que je voulais en dorer. C'est ce bijou-là que je voulais en dorer. Je sais pas si vous le verrez. Et celui-là, je le voulais en doré, il n'y était plus. Donc du coup, je me suis résignée, j'ai pris un argenté. Je me suis dit, bah, pour une fois, j'aurai des bijoux argentés. En sachant que les deux me vont relativement bien. Je préfère les bijoux dorés. Mais les deux me vont... Enfin, non, en fait, je préfère pas les bijoux dorés, j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Donc je me dis, voilà, j'aurai de quoi faire. Donc j'ai pris ce bijou donc pour mettre à la place de celui-là. Celui dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je le trouve très fin, très joli, et vraiment j'arrive pas à me faire à celui que j'ai là. Je le trouve pas très sympathique. Et ensuite j'ai pris deux fois le même, donc à savoir celui-là. Je l'ai pris en version piercing et en version bijou avec le petit fermoir classique comme vous mettriez au lobe. Parce que je savais pas ce qui serait le mieux. Donc j'ai pris les deux et je me suis dit au moins si jamais je veux mettre la puce au niveau du lobe je peux. Donc c'est pas trop mal. Et ensuite j'ai pris celui-là en doré avec les deux lunes. Là je le trouve vraiment trop beau. Je trouve que vraiment il fait le taf, il est super joli. Donc voilà, voilà pour mon petit haul bijou d'aujourd'hui. Et je trouve ces bijoux très jolis. Pour le commentaire du jour, dites-moi en commentaire si jamais vous préférez les bijoux dorés ou les bijoux argentés. Comme ça on saura. Ou alors si vous aimez vraiment les deux et que les deux vous vont. Dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu. C'est pas grand chose, mais ça permet toujours d'avoir un petit peu plus de contenu que hier par exemple. Voilà, écoutez, normalement demain on fait le sapin. On va essayer, promis. Normalement demain matin. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Non mais oh, on met pas les pattes dans ma plante, hein. Je disais, normalement, demain, on fait le sapin, on s'y attelle, ça y est, c'est l'heure. Donc on verra ce que je trouve dans mes cartons. Parce que j'ai pas déballé les cartons de... Voilà, tout est dans un carton, encore, toutes les décos de Noël et tout. Donc on verra ce que ça donne. Donc on verra ce que ça donne demain. Mon sapin va finalement être habillé, que pour l'instant, il est tout nu dans son habit... le plus simple. Si, il y a juste la petite boule qu'on a mis au tout début de chez les petits chaudrons. Mais voilà, écoutez, vivement demain. En attendant, dites-moi quel bijou vous va le mieux. Et puis encore merci pour votre soutien, comme d'habitude, parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à commenter, ça me fait super plaisir. Je vous fais des bisous. Et si tout va bien, je vous dis à demain. Ciao !